Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, Diamond Painting aujourd'hui, et c'est le Diamond Painting que je fais en duo avec mon amie Sylvie. Voilà, on est le 5 février, et comme promis, vous avez la vidéo. Donc, je rappelle, vous avez 2 vidéos par mois pour avoir le suivi de notre Diamond Painting, donc une vidéo le 5 et une vidéo le 20 du mois. Chaque mois, jusqu'à ce que l'on ait terminé notre Diamond Painting, chacune de notre côté. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de Sylvie, qu'elle aura mis aussi également en ligne aujourd'hui. Voilà. Je vous rappelle également que Sylvie, elle fait le même diamond painting que moi, mais elle le fait avec des perles rondes. Moi, je le fais avec des perles carrées. Donc, je pense que vous allez commencer à voir quelques petites différences entre nos kits. On ne sait pas pourquoi, puisqu'on les a achetés au même vendeur. Voilà, à part que ce perle carrée, perle ronde, mais on a découvert qu'il y avait quand même une différence. Au niveau du dessin et au niveau des couleurs. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Et donc voilà. Bon, là, je ne sais pas où en est arrivée Sylvie, puisque je n'ai pas encore vu sa vidéo, à l'heure où je vous parle et à l'heure où la vidéo sera en ligne. Puisqu'on met en ligne notre vidéo toutes les deux exactement à la même heure. Je ne peux pas voir sa vidéo avant vous. Je la vois en même temps, je la verrai en même temps que vous. Donc je ne sais pas où Sylvie en est arrivée. Moi, je suis arrivée à la deuxième ligne. Voilà. J'ai pas avancé beaucoup, mais bon, comme vous savez, je me disperse pas mal, hein. Je fais pas mal de choses à côté. Je peux pas avancer plus vite. Là, je suis arrivée à la deuxième ligne. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est bon. Vous allez voir mon avancée. Vous allez me voir en train de faire ce que j'ai mes dernières perles hein, du moment. Vous me voyez terminer la première ligne et vous me voyez commencer la deuxième ligne. Le premier carré de la deuxième ligne, mais qui lui n'est pas terminé. Parce qu'au bout d'un moment, mon dos ne voulait plus. Mon dos me disait stop, on arrête. J'ai arrêté parce que j'avais très très mal dans le dos et surtout là, j'avais une énorme douleur dans la nuque. J'ai posé le stylet et j'ai arrêté. Ça faisait quand même presque 3 heures que j'étais dessus et là, je ne pouvais plus. J'ai arrêté. Donc, c'est pour ça que le deuxième carré n'est pas terminé en entier. Mais bon, de toute façon, il sera terminé. Hein. Je vais le terminer dans la semaine. Et puis, je vais continuer un petit peu à la fois jusqu'à la prochaine vidéo. Qui sera le 20 février. Voilà. Comme je vous disais, oui, on va commencer à voir des petites différences dans nos deux vidéos. On ne sait pas pourquoi, même pour les couleurs. Voilà. Mais justement, de faire cette vidéo en duo, en ayant les deux mêmes kits, ça permet justement de voir s'il y a des différences. Alors, malgré que c'est le même vendeur, que ça doit être la même usine, c'est la même usine qui fabrique le kit, normalement. On y retrouve je redis souvent le même mot là, mais il y a ces différences donc de couleurs. Bon, les différences de couleurs, ça vient aussi du bain. C'est comme la peinture, c'est comme le papier peint, c'est comme les fils à broder, comme la laine à tricoter. Si ça passe pas dans le même bain de couleurs, il y aura toujours une différence, hein. C'est pour ça aussi que quand vous avez des perles pour un kit. Des fois, vous tombez en panne de perles, vous demandez à une copine qu'elle vous dépanne et elle va vous envoyer le bon numéro, mais vous n'aurez pas des fois tout à fait la même couleur. Voilà. Et puis,
Vous allez avoir, vous allez demander un beige par exemple, et le beige que la copine va vous envoyer, il sera peut-être plus clair ou plus foncé, alors que c'est la même référence. Mais l'explication, c'est que c'était pas le même bain, elles n'ont pas été fabriquées dans le même bain de couleur. Voilà. Donc, c'est exactement le même système, comme je viens de vous dire, de la tapisserie qu'on met sur les murs, que la peinture, que le fil à broder. Le fil à broder, c'est pareil. Quand vous faites une broderie, vous avez un petit numéro qui vous donne le numéro du bain. Voilà, vous avez la référence couleur et vous avez un numéro également, numéro du bain. Et si vous faites une broderie et que vous tombez en panne et que vous n'arrivez pas à retrouver le même fil avec le même numéro de bain, il y aura une différence dans votre broderie. Voilà. C'est pour ça que quand on fait une broderie, il vaut mieux acheter plus de fils que l'on a besoin que justement à cause de ça. Parce qu'après, on ne retrouve jamais ces... Très rare qu'on retrouve exactement le même fil alors que c'est la bonne référence. Voilà. Et pour le tricot, c'est exactement la même chose. Regardez à Bergère de France, par exemple. Je sais qu'il y a possibilité, quand vous êtes en panne sur un ouvrage, de noter le numéro de bain de votre pelote de laine que vous êtes en train de tricoter, justement pour pouvoir recommander exactement la même pelote de laine, voilà, pour pouvoir terminer votre ouvrage. Et s'ils n'ont plus, ben là, il y aura une différence dans votre tricot. Voilà. Et donc, les perles de Diamond Painting, c'est exactement la même chose. Vous pouvez tomber sur une différence de couleur. Alors des fois ça peut être léger, hein, ça, vous allez le mettre sur votre kit, ça ne va pas se voir. Et des fois il y a une très grosse différence et là ça se voit tout de suite. J'ai déjà vu des copinettes sur mon groupe qui mettaient les deux paquets et là il y avait une très très grosse différence de couleur. Alors que c'était la même référence. Donc voilà, bon, tout ceci pour vous dire que voilà, il y a sur le kit de Sylvie et sur le mien, donc il y a une différence sur les couleurs, mais on a également une différence sur le dessin. On s'est un peu aperçu de ça, là en le commençant. Donc on va voir au fur et à mesure quand on va le faire. Voilà. Je voulais dire un autre mot, mais bon, je n'en retrouve plus. Donc voilà, comme ça, ça va. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo du coup à Sylvie pour vous rendre compte du rendu des deux kits. Voilà. Donc je vais vous laisser visionner. J'ai terminé mon gros blabla et mes explications qui, j'espère, pourront vous avoir renseigné un petit peu sur le système des couleurs sur les diamants. Voilà. On m'a demandé également, je profite pour le dire maintenant, on m'a demandé également de faire une vidéo un peu explicative sur le diamond painting. Donc, je vais faire cette vidéo. Je vais la préparer et ne vous inquiétez pas, je ferai cette vidéo là dans les jours qui viennent, enfin dans le courant du mois. Je vais préparer ça et comme ça pour les débutants également il y aura toutes les explications pour bien commencer pour voilà, j'essaierai de mettre tout dans cette vidéo. Voilà, allez, je vais vous laisser visionner cette vidéo et pour la prochaine vidéo sur le thème, donc le Diamond Painting en duo avec Sylvie, la prochaine vidéo donc aura lieu le 20 février. Voilà, allez, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.
Thank you.